façon que se reproduise pas ce qui se produit depuis plusieurs années, c'est-à-dire que on nous a sorti tout un paquet de textes, de lois totalement motophobes et liberticides, que ce soit sur les gants, que ce soit les plaques d'immatriculation, la privatisation des radars, les zones de circulation restreintes où on n'a plus le droit de circuler, toute une série de lois et de textes. Aujourd'hui, on a décidé d'informer les candidats à la prochaine législature avant, de façon à ce qu'ils puissent plus nous dire après « on ne savait pas ». Rails de sécurité, mettre des protections en dessous, ça évite justement que les motards perdent les jambes, etc. Ça, c'est une des priorités. Les autoroutes sont de plus en plus chères, les routes nationales, départementales ne sont plus entretenues, les routes sont de plus en plus dangereuses.